Et mettre fin au droit du sol. En aucun cas. Le droit du sol est consubstantiel à l'identité française. C'est-à-dire que ceux qui naissent là, à l'âge de 16 ans, pour ne pas raconter d'histoire, s'ils sont encore là, et s'ils ont vécu 5 ans en France, ont le droit de devenir français. C'est François Ier qui a inventé ça. Si vous enlevez le droit du sol, vous allez imaginer le droit du sang. Ça existe, ça a existé en Allemagne. Ils en reviennent, il n'y a plus personne. Bon, et nous, Français, on va faire ça? On va dire alors, il y a les Français de toujours? Eh bien, bon appétit, dites-nous lesquels c'est. Je n'ai pas un grand-père français. Alors, je ne suis pas français? Et combien comme moi? Et tous ces enfants qui portent des prénoms qui déplaisent à certains fascistes de notre pays? On leur dit quoi? Ah ben vous n'en êtes pas vraiment? C'est insupportable. Ceux qui naissent en France doivent avoir la possibilité d'être français, parce que ce qui définit la France, ce n'est pas une langue, il y a 29 pays qui la parlent, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une couleur de peau, c'est une appartenance commune à une devise, liberté, égalité, fraternité. Tout le reste est du roman, et du roman noir. C'est dit.